Tu as déjà vu des hommes craquer sur ce trajet? Surtout des hommes qui en ont peur. On s'est déjà fait braquer 3 fois. À moi, le frein à pied, il y a un problème. Les freins, ils réagissent. C'est difficile de s'entendre dire « Vous n'avez pas la garde de vos enfants parce que vous faites un métier pas comme les autres. » Le camion, par lui-même, vous me direz, c'est un tas de ferraille, c'est une mécanique. Mais pour nous, il nous parle, ce camion. Le bruit de moteur, les différents régimes, c'est un chant. C'est magnifique. On est tous familiarisés avec l'image, pour ne pas dire le cliché, du routier sympa et costaud, mais l'image de la routière, qui la connaît vraiment? On ne peut pas dire que ce métier plutôt rude éveille un grand engouement chez les femmes. Elles y sont 100 fois moins nombreuses que les hommes, et très peu parmi elles, souvent pour des raisons familiales, ont choisi les longues distances. 4 seulement dans toute l'Europe roulent sur la ligne Paris-Moscou, hantées à partir de la frontière russe par des brigands ou des rançonneurs. Sur les 3 routières que vous allez découvrir maintenant, l'une d'elles, âgée de 27 ans, mère d'une fillette de 7 mois, a choisi cet itinéraire malgré la disparition auprès de Smolensk en août dernier d'un de ses collègues de travail, dont on a retrouvé le camion, mais pas le corps. Comment ces femmes d'exception sont-elles parvenues à s'imposer dans ce milieu essentiellement masculin? À Mario Desmar et Bernard Monpère, qui les ont suivies jusqu'au bout de leur route, ces routières au long cours ont révélé leur vie. Dans ma famille, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de routier, on ne sait pas ce que c'est que de conduire des camions. Il n'y a personne qui conduit des camions dans ma famille. Je crois que j'avais besoin de me prouver que je pouvais faire autre chose que d'être la femme à la maison. Le chargement, c'est le moment le plus dur. C'est pas fini, tu vas voir la semaine. Parce que là, j'ai démâché le toit pour charger, mais pour décharger, je dois ouvrir tout le côté. Tous les montants, les planches, les ridelles, tout. Ça demande une grande force physique? Non, pas une force physique, mais il faut quand même être costaud. Je me demande si je ne suis pas une folle, parfois, d'aimer ce boulot-là. Mais quand on aime quelqu'un, on ne peut pas l'expliquer, c'est inexplicable. Hein. Quand j'ai commencé, c'est vrai, c'est bien un camion, mais dans quoi je m'embarque, là? Et puis, au fil du temps, peut-être parce que j'aime bien surmonter les difficultés, j'aime bien me prouver à moi-même que je suis quelqu'un. Plus c'est dur, plus j'aime aboutir à quelque chose. À Liège, j'ai chargé 2 bobines de tôle de 12 tonnes chaque pour vider à Nantes. J'ai commencé il y a environ 12-13 ans. Je compte pas les années parce que ça me fait vieillir. C'est très difficile de percer dans ce métier-là. Il faut faire beaucoup de concessions. Moi, j'ai dû faire des sales boulots, travailler chez des transporteurs pour gagner une misère, pour presque rien. Autrefois, quand j'ai commencé, on me demandait « Votre mari veut bien que vous fassiez ce métier-là ?» Oui. Et alors après, on me disait « Mais qu'est-ce que vous allez faire de vos enfants ?» Alors moi, je leur disais carrément « Vous posez cette question-là aux messieurs ?» On me répondait « Non ». Ben, j'ai dit « Pourquoi vous me les posez à moi ?» J'ai dit « Si je viens vous trouver un camion, ça ne se conduit pas autour d'une table de cuisine. Hein. On sait très bien que si je veux faire l'international, c'est pas pour partir le matin et rentrer le soir. Hein. » Même s'il y a des machos qui disent « ce métier-là, c'est pas un métier de femme », ben moi, je sais que c'est peut-être pas un métier de femme, mais je suis capable de le faire. Bon, bah, Cyriane, les derniers documents avant de partir. La feuille de frais, autorisation polonaise, transit biélorusse et autorisation russe. OK. Merci. Bon, bah, bonne route. Et puis, hein? Je m'appelle Cyriane. Surnommée la puce, parce que je mesure 1m60.
J'espère être à Moscou dans 5 jours. Ici, on est à Laon, point de départ. Je monte sur la Belgique. Berlin, je passe au nord de Berlin. Point de frontière, Suède. Varsovie. Frontière biélorusse, Kuznica. Et Moscou. Dans beaucoup de têtes, le routier, c'est l'homme musclé, tatouage. Il y en a qui ont du mal à imaginer la femme toute petite, toute frêle au volant d'un gros camion. On n'a pas besoin d'être grand pour conduire un bahut. Tous les camions sont automatisés. À la limite, un camion se conduit aussi bien, voire mieux qu'une voiture. Au début, il y a beaucoup de barrières. Donc c'est vrai que des fois, on a à supporter certaines réflexions un peu désobligeantes. Du genre, ben, en cas de pépin, t'as voulu faire ce métier-là, tu te débrouilles. Les femmes au volant, l'amour au tournant, enfin, on en entend de toutes les couleurs, quoi. Ça m'est arrivé d'avoir crevé une roue sur une remorque, d'être dans une entreprise, d'avoir 5 hommes en train de me regarder pour voir si j'allais y arriver. Mais je leur ai rien demandé. Et puis quand j'ai eu terminé, je leur ai dit, vous pouvez me rendre un service ? Me dire où se trouvent les lavabos pour me laver les mains, ils sont devenus tout rouges. J'ai même eu certaines réflexions qui disaient, bah, tu fais ça pour avoir des hommes dans ton lit. Bah, je leur disais, écoute bien, hein, le jour où je veux faire le trottoir, je prends un sac à main, c'est plus facile à garer qu'un poids lourd. Hein. Au début, plus d'une fois, j'ai failli arrêter à cause des réflexions. Puis après, je suis partie du principe que c'était le métier que je voulais faire. J'avais besoin de faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire. J'ai 27 ans et ça fait à peu près 6 ans que je roule. Un jour, on m'a proposé de faire les pays de l'Est. J'ai dit pourquoi pas. Et voilà, maintenant, ça fait 1 an et demi que je tourne sur la Russie. C'est un trajet à risque, mais on ne peut pas avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Je suis partie du principe que j'avais envie d'apprendre. Donc je n'avais pas d'appréhension, je n'avais pas d'a priori par rapport à ce trajet. Ça y est, on est arrivé. Mais pour 12 heures. On va en faire avec. Pour dormir. Exactement. 12 heures, c'est pas une très bonne nouvelle, hein. Vous espériez moins. Bah, il y a pire, hein. Il y a pire, oui. Par exemple. Ça peut être 20, 30, 40 heures, hein. 50. Ça s'est vu, ça. Oh. 60. Et bon, alors... bon, de toute façon, il faut attendre qu'on nous appelle. Allô ? Allô ? Oui ? C'est moi. C'est où là ? Bah, je suis à la frontière polonaise. Et la petite ? Elle va bien ? Elle fait déjà dodo ? Ma petite fille s'appelle Gaëlle. Elle va avoir 7 mois. Ce sont mes parents qui s'en occupent. Elle a un papa, mais elle porte mon nom. Ça, les inconvénients de la route, on n'a pas pu se mettre à vivre ensemble. Elle est pas malheureuse du tout. Il y a beaucoup de monde autour d'elle, beaucoup de tontons, beaucoup de tatas. On est une famille très nombreuse, mais enfin moins nombreuse maintenant, parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde à la maison. Sinon, on est 11 enfants. Un enfant, c'est quelque chose qu'on a créé, qu'on élève, dont on s'occupe. C'est à soi, quoi. C'est un petit bout, un petit morceau de soi. Ça change un peu du côté sauvage de la route. Non, on prend pas ça. Tiens, une chaussure. Tu la vois pas souvent. Non. Avec le travail, une fois par mois, au mieux, voire deux. Mais enfin, le problème, c'est qu'il faut choisir. Travailler et avoir de l'argent, ou rester à la maison,
et ne bénéficier de rien. Ça, c'est le problème actuel. Je m'appelle Josette. Celle-là, on la charge. J'ai 50 ans cette année. Celle-là, on la charge aussi. Il y a 28 ans que je roule. Je suis au départ là, pour charger du lait à Villefranche-de-Rouergue que je dois livrer demain dans l'après-midi à Parme, en Italie. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui soient depuis 28 ans sur la route. J'ai été la première à faire le Moyen-Orient, justement. Mon patron, à l'époque, avait été contacté par Elf Aquitaine tout à fait au début du conflit du Liban pour descendre le matériel sur les puits de pétrole. Et alors un jour, on me dit « il faut que tu charges pour Basra, en Iran ». Puis je lui dis « mais t'es complètement malade ». C'était quand même la grande aventure parce que c'était la Bulgarie à traverser, toute la Turquie, avec tout ce qui se racontait sur la route, sur ces lignes-là, j'étais pas très très rassuré. Et comme mon patron me connaissait très bien à l'époque, la seule chose qu'il devait pas dire, il l'a dite, il m'a dit « ça, je m'en doutais, tu te dégonfles ». Moi, me tenter de dégonfler, ça jamais. Et je suis parti comme ça. Quand je suis arrivé à Capekule, en frontière turque, là, la peur de ma vie. Parce que les Turcs, ils n'avaient jamais vu une femme avec un semi-remorque. J'avais des Turcs partout. Ils m'étaient montés sur les marchepieds, sur les pare-chocs, derrière la cabine, j'en avais partout. Tellement bien, je me suis enfermé à clé dans la cabine. Et j'ai dit, mais maintenant, Jojo, comment tu fais? J'avais peur. Et j'ai eu une chance inouïe de rencontrer deux gars que j'avais connus sur l'Angleterre. Je vous garantis que j'ai jamais été aussi contente de voir ces deux gars. Ça s'est fini, en fait. Parce que là, j'étais la reine de Saba. J'avais une cour innombrable, des Turcs qui me suivaient de partout, mais tout le monde m'a respecté. Ça s'est fini, je vous dis, une vraie fête. Tellement bien qu'on n'a même pas pu repartir le soir même de la frontière. Alors on a attendu le lendemain matin pour continuer le voyage. J'ai eu la chance de voir courir un petit renard de sable. Si j'étais resté derrière un fourneau, j'aurais jamais vu ça de ma vie. Bon, ça a été une vie peut-être un peu spéciale, mais c'est une vie qui est très riche. Je crois que mon premier amant, ça a été mon camion. Puis c'est un compagnon que j'ai aimé passionnément, et que j'aime encore. Je crois qu'on fait un vieux couple tous les deux. J'ai même un peu de tendresse à la limite pour mon camion. Quand je suis vraiment toute seule, des fois, j'arrive à lui parler, à l'anglais. Quand les côtes sont bien dures, là, qu'il avance pas trop vite, je l'engueule. Je crois qu'on fait tout ça un peu les vieux. Parce qu'on a fait ce travail, c'était une passion. Mais le camion, par lui-même, vous me direz, c'est un tas de ferraille, c'est une mécanique. Mais pour nous, il nous parle, ce camion. Le bruit de moteur, les différents régimes, c'est un chant. C'est magnifique. Cela fait faire 5 ans que je suis divorcée. J'ai eu Émilie, j'avais 28 ans. Puis j'ai eu Nicolas. Je l'ai laissé très jeune. Lui, Nicolas, ne m'a jamais connu maman à la maison, lui. Ça, c'est vraiment l'échec de ma vie, quoi. C'est le métier qui m'a fait perdre la garde de mes enfants parce qu'on m'a dit que je n'étais pas à la maison pour pouvoir m'en occuper. Le plus difficile à vivre, c'est quand on vous dit vous avez abandonné vos enfants, on ne vous laisse pas la garde. Alors ça, c'est... Excuse-moi. Excuse-moi, ça va revenir. C'est difficile de s'entendre dire vous n'avez pas la garde de vos enfants parce que vous faites un métier pas comme les autres. Et moi, qu'est-ce que je devais faire? Moi, je suis une orgueilleuse, alors j'ai jamais voulu céder. J'ai voulu leur prouver le contraire et je crois que je suis en passe de réussir.
Parce que eux, mes enfants, le savent. Et c'est le principal, c'est tout ce qu'il y a, c'est tout. C'est la seule chose, la seule consolation que j'en ai. C'est que les enfants le savent. Et eux savent très bien qui je suis. Ils savent très bien que je les aime, d'ailleurs. Alors le reste n'a pas d'importance. Est-ce que tu as l'occasion de les voir, tes enfants, quand tu roules là? Oui, quand je vais dans cette région-ci, oui, hein, dès que c'est possible, je fais un crochet. Au départ, je les prévenais. Puis alors, avec les aléas de la route, des fois, je promets que je vais arriver à une telle heure, et puis ce n'est pas possible. Hein. Alors, je ne les préviens plus, parce que comme ça, ben, ils sont moins angoissés. Bonjour. Arrête. Ça va? Ça va, et toi? Ouais. Tu n'es pas là, Tico? Bah, Tico, il est à la maison. Alors, ça a été? Ouais, j'ai reçu mes notes. Et alors? En anglais, j'ai 7-9. Je me sens quelquefois coupable de faire ce métier-là, parce que moi, je sens que je prends un plaisir et que je les laisse de côté. Mais leur sourire, cette fois, ça me guérit toutes mes angoisses, quoi. Quand je les vois qui sont contents et qui me disent « Maman, je t'aime », et puis c'est très bien comme ça, t'aimes ton métier. Bah, c'était pas à toi. Non, c'est toi qui as distribué. Seuls mes enfants ont le droit de me juger. Mais eux, ils n'ont pas de jugement sur ces parents du moment que je leur apporte tout l'amour que je peux leur apporter. Non, tu commences en allemand. Tu continues en anglais et moi, je finis en italien. Le mec, il a rien compris. Comme disait Émilie, hein, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Oh, mais moi, je veux savoir ce que t'as dans ton jeu, parce que toi, tu parles trop. J'ai peut-être été à cette époque-là une femme à l'avance sur mon temps. Parce que moi, j'avais décidé d'avoir un enfant, mais je voulais pas de mari. Moi, Mireille, je l'ai... c'est une nourrice qui l'a élevée. Et disons qu'on a plutôt des rapports de copines que de vraies mères et filles. Maintenant, non, je n'en veux pas. Oh, oui, ça, maintenant, non. Parce que bon, je sais qu'elle aimait ce métier. De toute façon, elle a toujours voulu faire ce métier, elle adore ça. Même quand des fois, elle est en vacances ici pendant 4 semaines, elle veut repartir aussi sec parce qu'elle en a marre de rester ici. Mais avant, oui, je lui en voulais. J'étais prise entre l'amour de ma fille et la passion de mon travail. Enfin, je crois que j'ai bien concilié les deux, disons. Parce que le peu que je l'ai eu avec moi quand elle était enfant, je lui ai tout donné. L'affection, elle m'en a toujours donné. Même des fois, elle a dépassé, comme on dit, dépassé les bornes. C'est vrai que non, je n'ai jamais manqué. C'est vrai. Vous êtes très proches toutes les deux. Ah oui, s'il y avait quelque chose, je crois que... Hein? Tu vas pas pleurer. Eh oui, mais maintenant, t'es marié, t'as ta vie aussi. Ah ouais. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite song. On a déjà 2 heures de plus d'attente. Ça risque de me décaler mon voyage d'une journée. Intérieurement, ça boue, mais ça, c'est... Il faut garder son calme et puis attendre, toujours attendre. Alors Cyrienne, t'as bien dormi? Oh ouais, comme un loi. T'as pas la grasse matinée aujourd'hui, hein? Il y a d'autres Français que vous là, sur le parking? Non. Estonien, polonais, quelques Allemands. Et est-ce qu'il y a d'autres femmes que Cyrianne? Au parking? Non, elle est toute seule. En combien de temps tu traverses la Pologne? Quand ça roule à peu près correct, en 9 heures. Les Polonais appliquent le code de la route à leur façon. Il y a beaucoup d'endroits où les roues sont défoncées, donc pour pas faire trop de casse de matériel, on fait attention.
Dans ces pays-là, des fois, ils n'ont pas de gasoil, tout simplement. Ils attendent les livraisons, donc on est dépendant des livraisons. Avec un plein, tu fais combien de kilomètres? Sur les pays de l'Est, vraiment maximum, c'est 1500 kilomètres. La première fois que tu as fait Paris-Moscou, tu n'étais pas un peu tendue? Non, pas du tout. J'ai eu la chance de monter avec un collègue qui m'a expliqué les choses à faire, les choses à ne pas faire. À partir de ce moment-là, c'était à moi ou de suivre ou de ne pas suivre les indications. Alors c'est quoi ces indications? Voyager à plusieurs, c'est-à-dire ne jamais être seul, comme ça en cas de pépin, à plusieurs, on s'en sort toujours mieux. S'arrêter le soir sur les parkings gardés, et puis faire attention à ce qu'on dit, surtout à propos du chargement, à propos de l'argent qu'on peut avoir sur soi. On ne doit pas jouer les Américains dans ces pays-là. On ne doit pas faire voir qu'on a les moyens, justement. C'est un peu incité au vol. En train de me demander s'il ne fallait pas que je prenne là. Il manque quelques panneaux. Là, c'est marqué Gdansk, Augusto, c'est autorisé. Bialystok, c'est interdit aux poids lourds, au plus de 5 tonnes. Tu passes par où tu veux. Hein. Je crois qu'il faut prendre le quai. Je suis persuadé que c'était tout droit qu'il fallait aller. T'as vu qu'il fallait continuer tout droit, qu'il fallait pas tourner. Ah, mais attends, c'est bon, je crois. Butez le mec, hein. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de voir des hommes qui craquaient sur ce trajet? Des hommes qui craquaient plus ou moins, oui, mais surtout des hommes qui en ont peur. Qui montent par obligation, mais qui en ont peur. Ouais. Il y en a. Et ils le disent? Ils le disent pas, non. Ah non, 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 ils le disent pas. Et ça blesserait leur fierté de mal. Je suis avec les gars de la STEF. Ah, ils sont dans la queue, là. Ah, Fermat, je suis dans la queue. À quelle hauteur, là? Ah, on est à environ 7 km de Kuznica. J'ai des collègues qui sont arrivés ce matin et qui n'ont pas avancé d'un mètre. Donc, on est peut-être là pour 2 ou 3 jours. On va dormir à tour de rôle. Comme ça, ben, dès qu'on voit que ça bouge, eh ben, on se réveille les uns les autres. Parce que si on rate son tour, c'est fini, quoi. Ben disons que si on rate son tour, on se fait doubler. Et si on se fait doubler, c'est autant d'heures de perdu. C'est pas habituel de voir une femme chauffeur. Hein. Pour nous, on fait à peu près plus de 2000 camions par an. Si on en voit 4-5, c'est bien tout par année. Je les admire, en fait, parce que c'est pas facile. Est-ce que vous pourriez le faire, ce qu'elle fait? Je pourrais pas, parce que j'ai pas la formation, parce que non, je pourrais pas. Et lui donner un coup de main? Oh, éventuellement, une ou deux palettes, mais pas les 30, non. Actuellement, dans les maisons, il manque de personnel partout, faut que le routier fasse tout le travail. Alors on se retrouve à tirer des palettes de une tonne deux, avec des transpalettes qui ne marchent pas ou quelque chose. Ou si vous ne voulez pas, bah vous partez. Alors moi, je ne sais pas comment qu'elles font. Parce que personnellement, moi déjà, il y a des jours, c'est très dur. Alors là, je leur tire leur chapeau. Ça fait partie du boulot, quoi. Sinon, bah, on ne fait pas ce métier-là, on fait autre chose. Hein. On fait couturière ou autre chose. Hein. Et tu l'as dans la peau? Le camion, oui. Le camion et le métier, bien sûr. Mais l'un ne va pas sans l'autre, c'est comme un mari, ça. On l'a dans la peau ou on ne l'a pas. Combien tu gagnes, Marie? Au plus bas, 10 000 francs français, jusqu'au plus haut, 12 000. Est-ce que tu penses que c'est suffisamment payé pour ce que tu fais? Bien sûr que non. Je pars du dimanche soir
au samedi midi quelquefois. Mais je ne suis pas un numéro dans une entreprise. Moi, je suis profondément humaine avant tout. Et comme je fais mon métier par passion, j'ai choisi une petite entreprise où je me sentais bien dedans. À quoi tu penses quand tu roules ? À la vie, à mes enfants essentiellement, qui sont loin de moi, que je ne vois pas souvent. Essentiellement à eux. Le plus grand de mon temps, c'est à eux que je pense. M'avoir enlevé la garde de mes enfants, c'est d'avoir fait mourir la moitié de moi-même. J'ai voulu, là, j'ai voulu tout arrêter. C'est vrai, j'ai voulu tout arrêter. Puis j'ai rencontré Jean-Marie. On vit ensemble depuis 5 ans, mais on... Ouais. Hein, Jean, on vit ensemble depuis 5 ans maintenant. Oui, on a fêté notre 5e anniversaire la semaine passée. C'est vrai. Et puis, ça fait comme si... Tu vois, on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Ouais, oui. C'est pas, hein. Enfin, moi, personnellement. Moi, je me sens bien. Je ne changerai pas pour une autre. Il a dit, j'ai une femme de 40 ans, je la change pas pour deux de 20 ans. Pourtant... Il m'a beaucoup aidé moralement, heureusement, hein, parce que sinon je m'en serais jamais sortie. Quelquefois, on n'est pas toujours d'accord. Hein. Oh, surtout pas pour le travail. Il a sa façon de faire et moi j'ai la mienne. J'avais dit souvent, on fait comme ça. Mais alors, elle ne veut rien entendre. Elle a dit, fous-moi la paix, c'est mon camion, laisse-moi conduire comme je veux, ceci, ça. Alors, moi j'aime la couchette et je m'en occupe plus. C'est une soupe au lait. Quand c'est fini, on n'en parle plus. Il a un cœur gros comme lui. Et c'est peu dire. Mais quelquefois, je l'appelle le gros. Mais quand je dis le gros, ça ne veut pas dire que je me moque de lui par sa taille. Chez nous, quand je dis le gros, c'est ma façon à moi de dire chérie. Ça veut dire aussi tout mon amour pour lui. Ça va alors. Allez-y encore, vous pouvez... Ah non, retirez. Prochaine étape, Marie. Je n'en sais rien, je vais téléphoner. Oh, dude, il est 9h du soir, j'ai encore 46 km avant de retrouver l'autoroute à Blois, hein, et j'ai encore 8-9 heures de route pour aller jusqu'à Charleroi. Ils prennent des décisions, ils sont assis derrière leur bureau, ils en ont rien à faire des gens qui sont derrière au volant. J'en ai plein derrière, il y a des jours où j'en ai basta, hein. Moi, je suis passée là l'autre jour, j'ai mis 40 heures. Et il y avait des voitures dans tous les sens, les flics, tout. Et là, ils ont trouvé un nouveau système, ils vous ont bloqué là. C'est pas plus mal, ils vont vous faire passer après. Moi, j'ai des amis en France qui me disent, mais t'es complètement cinglée, t'es folle, ça va pas, faut pas monter. Et moi, je sais, t'es là pour le dire, moi, j'ai jamais de problème. Hein. Niveau entourage Russie, j'ai pas de problème. Hein. Que ce soit à Moscou, que ce soit sur la route. Moi, je pars du principe, si on touche pas à la merde, on n'a pas la merde. Vous avez un avantage sur vous, sans nous. Hein. Vous n'avez pas besoin de vous raser le matin. Ça, c'est... Mais on a d'autres inconvénients quand même. Ouais. Hein. Ouais. Comme histoire de pisser un coup quand il fait jour, quand on est à côté de la route. Là, c'est problématique. Ce que je vais envisager tout à l'heure. Ça. Là, c'est problématique. La nuit, ça va, mais le jour... Au revoir. Jean-Paul, à la prochaine. À la prochaine. Bonne route, bonne prudence, hein, surtout. Hein. Bah, la puce. Bonne remontée. Ouais, sans problème. La vita non è qui, da mezzanotte in poi, nei tanti e nei vestiti. Il y a un avantage, c'est que ces canalisations de lavabo ne sont jamais bouchées. Ils sont pas un peu surpris, les douaniers, quand ils voient une femme au volant? Ah bah, au début, ils sont tous un peu surpris. Ils s'attendent à voir un homme descendre du camion, pas une femme. Maintenant, ils commencent à être habitués, et puis on est relativement bien accueillis. Sans rouler ici. Attention, il y a des gros trous avec des bouts de ferraille.
toujours sur les nerfs, quoi. Parce que là, la moindre erreur, ça pardonne pas. Là, on risque de perdre des coussins d'air ou... Enfin, on risque de casser pas mal de choses sur le camion. Tant que le camion roule, à la limite, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est si le camion ne roule plus. Alors là, il faut attendre un collègue, quoi, c'est ça? Bah là, oui. Ça peut partir de 5 minutes, comme attendre une journée, deux jours, voire. Tout dépend de la fréquence de passage des collègues. L'endroit à risque, c'est la Biélorussie. Je sais que j'ai beaucoup de collègues qui ont eu des ennuis, mais moi jamais. Ils se sont fait braquer avec une arme pour avoir de l'argent, ou alors de la nourriture. Salut! Ouais. Ça va, ça va? Bonjour. C'est pas souvent que vous devez rencontrer des collègues femmes. On connaît qui? Claudine, Jacqueline. Lapus, Jacqueline. Trois. Et qu'est-ce que vous en pensez alors des femmes qui font ce métier? Vous avez du respect pour elles? Du respect, si, il faut le faire. C'est... c'est déjà dur pour nous, alors pour les femmes. Il faut toujours être vigilant, il y a des attaques. On s'est déjà fait braquer trois fois. Et puis bon, bah, toujours des problèmes, quoi. Et ça pouvait être dangereux, ça pouvait aller loin. Ça peut aller très loin, oui. Très, très, très loin. Et c'est... Mais j'ai déjà même pris un coup de... J'ai eu du plomb. J'ai eu du plomb, oui. Du plomb, du petit plomb. Le pire, c'est, je crois que c'est en Biélorussie, c'est pas tellement en Russie. Si on n'a pas de caractère, ou un caractère trop malléable, on ne tient pas sur ces métiers-là. Quand on fait voir ses faiblesses, c'est pas bon. Surtout dans un boulot d'homme. Des fois, j'ai l'impression d'être moi-même macho. En tant que femme. Non. Ok. Next problème. À force de côtoyer les hommes, on voit un peu les choses de la même façon. Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Mais non, en moi je suis femme. Скользя. J'ai besoin de quelqu'un, d'un homme. Что взять нельзя. Je m'assume pleinement dans mon travail, mais j'ai besoin de quelqu'un pour combler le côté affectif. D'une épaule? Oui. On va dire une épaule pour pleurer. Со мной, а имена тех, кто здесь лег. Снега. Salut. Salut. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais avec ta fille. Hein. Je suis grand-mère deux fois depuis. Tu abuses. Tu te rends compte? Tu abuses d'être là. Non, j'abuse pas. Il y en a là où ils veulent pas. Josette, c'est sa mascotte. C'est la mascotte, c'est notre copine, ça. Et ouais, mais pourquoi alors? Pourquoi? Parce que Josette, elle a su prendre le métier, comme nous. Que ce soit Josette ou que ce soit un homme, pour nous, c'est pareil. Perché? L'italiano non va bene in Italia? L'Italia abbiamo passato tutti italiani. C'est une deuxième vie, la route. On a sa vie familiale, on a ses amours. Puis on a eu cette amitié qui nous lie entre nous. Moi, je vous assure, j'ai eu des amis hommes sur la route. Ils connaissent toute ma vie. Je leur ai tout confié. Et c'est eux qui m'ont donné l'affection et la tendresse que je n'ai pas eue de ma mère. C'est la meilleure, Josette. Il y a bien d'autres femmes, peut-être, qui veulent
les galets, mais elles n'y arriveront pas. Parce qu'elle sait qu'elle sait qu'elle est débâchée des Savoyardes. Ah ouais. Et elle a besoin de personne. Elle demande pas l'aide. Ma mère était une femme très dure. C'était la pure Aveyronnaise, c'était la Rouergate, une femme très très dure. L'amour filial, je ne l'ai pas senti. Mon père, oui, davantage. Et je pense que cet homme-là, quand il a vu ce que j'avais fait, oui, là, je pense qu'il est parti, mais fier de sa fille. En quelque part. Et c'est mon père que j'ai regretté le plus. Moi, j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. On est très souvent tout seul et à la fois on est entouré de beaucoup de gens. Se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil, qui nous ont demandé d'une voix tranquille. On a tendance à réfléchir beaucoup. Depuis qu'il y a Gaël, ben c'est Gaël. Là, je suis à un moment où je suis en train de rater les plus belles périodes de sa vie, les plus intéressantes. Mais enfin, là, je peux pas faire de retour en arrière. Ce sont des choses qui suivent leur cours, quoi. Que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi, je suis l'hiver au fond du café. Je voudrais qu'elle ait tout ce que moi, je n'ai pas eu. Qu'elle n'ait pas de difficultés à vivre sa jeunesse. Moi, j'ai l'impression d'avoir raté une partie de ma jeunesse. Donc, je voudrais qu'elle la vive pleinement. Cyrienne va maintenant aborder la partie la plus risquée de son voyage et passer dans la région où son camarade de travail a disparu corps et biens. Une sale route où il faut éviter les arrêts imprévus. Josette, la pionnière, qui a vécu de belles aventures, va se révéler sous un tout autre angle que celui de la baroudeuse au long cours, qu'elle est dans le travail, et Marie, elle, découvrira durant un bref repos le plaisir d'être femme. Le plus grand risque pour celle qui pratique ce métier d'homme n'est-il pas de devenir la copie conforme du modèle masculin? La réponse arrive juste après la pub. A tout de suite. Camions polonais et russes qui n'avancent pas, et en plus il y a beaucoup de neige, ce qui est très pénible pour rouler parce qu'on n'a aucune visibilité. Je navigue un peu à l'intuition. Dégagez devant, il n'y a rien. C'est par ici que ton collègue Guy Rouget a disparu. On a retrouvé le camion ainsi que la marchandise, les documents. Il n'y avait que le chauffeur qui avait disparu. Je gagne une moyenne de 14-15 000 francs. Par rapport à ce qu'on vit, à ce qu'on fait, non, j'estime ne pas être assez payé. On est un peu les Romains Michel de la route. La goulache ressemble un peu à une espèce de ragoût chez nous. C'est possible de voir? Oui. Pour moi, j'ai ce qu'il y a, en fin de compte. Vous parlez le russe, bien sûr. Ah oui, très bien, oui. Surtout sur la tordure. J'ai l'impression que pour les choix des menus, vous vous reposez beaucoup sur Cyrianne. Bah, c'est la femme qui... C'est l'habitude de la cuisine de la femme, ça. Ouais. Ça se perd. Parce que je me débrouille mieux que c'est tout. C'est pas la même chose. Il n'y a pas la profilie parce qu'il faut qu'elle fasse les cabines après. Hein. Le ménage, vu le temps qu'il y a dehors. Ça t'arrive souvent de dormir dans des endroits où tu es toute seule? Ça va être égal, oui, mais c'est bien.
Et tu te sens toujours en sécurité? Absolument, oui. Bon, et qui c'est qui peut penser qu'il y a qu'une femme dans un camion? C'est difficile à croire. Je me suis peut-être maquillé 4-5 fois dans ma vie. Et j'ai l'impression d'être un clown quand je suis maquillé. Nous, notre maquillage, c'est un petit peu de graisse par-ci, un petit peu de gasoil par-là. Dans les chauffeurs, il y a beaucoup de gens qui adorent la nature et qui aiment justement regarder les différents paysages qu'on rencontre. Je crois même qu'il y a pas mal de poètes dans notre corporation. Parce qu'il ne faut pas croire, on n'a pas toujours les yeux là fixés sur le bitume. Maintenant, je ne suis plus la jeune femme qui roulait autrefois. C'est vrai que maintenant, bon, j'aime bien rentrer, j'ai mes petits-enfants à la maison, tout ça. Le camion, j'y pense de moins en moins. Il y a une époque, la route, c'était tout pour moi. Je crois que ce qui me manque le plus, c'est mon petit-fils. Il est né un lundi et j'étais déjà parti en Italie, moi. Et quand je suis rentré le samedi, j'ai plaqué le camion et je suis parti le voir à la maternité. Bonjour mon amour, bonjour mon cœur, comment ça va? Alors Mireille, elle me dit, ben, tu prends pas ton petit-fils dans les bras? Mais moi, comme j'avais jamais vraiment bouponné, j'avais une appréhension de le prendre, j'avais peur de le casser. Alors les petits monstres, cette école, ça a marché cette semaine? Ce gosse, je l'ai pas eu dans les bras, le premier sourire a été pour moi. Mais alors, si vous saviez l'impression que ça m'a fait, ça m'a tordu le cœur littéralement. Et en plus, alors après, je regarde ma fille, et celle-là, de rage, elle en avait les larmes aux yeux, elle a dit, c'est pas vrai. Et ce gosse, ça a été, je sais pas, il m'a acheté carrément. Qui c'est qui m'aide? C'est moi qui vous remercie. Allez, bonne journée. Allez. Au revoir. Mireille, par moments, elle me fait des petites crises de jalousie par rapport à ses enfants. Parce qu'elle voit que ce que je fais avec mes petits-enfants, les cajoler, les prendre sur les genoux, tout ça. Elle dit, après tout, ce qu'elle donne à mes enfants, elle ne me l'a pas donné à moi. Ça, je le sens très bien. Oh, quelle maladroite. Oui, 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 les cheveux. Quelle horreur. J'aime bien être quelqu'un d'autre le week-end. J'essaye de m'arroger un petit peu pour faire plaisir à Jean-Marie. Il a dit qu'il n'avait pas épousé enfin, il vivait pas avec un chauffeur de camion, il vivait avec une femme, c'est tout. Je trouve ça beau. Je vais en essayer un autre pour voir. Il me tient. Voilà. Voilà, et puis alors... Ça fait de pomme. Voilà la poutine. Ah oui, ah oui, ça. Je suis toujours française parce que je ne peux pas renier mes origines. Mais je vis en Belgique et ici, je me suis fait une nouvelle famille. J'ai mon amie Nicole, j'ai les enfants de Jean, j'ai le petit-fils de Jean, j'ai ma maison aussi. On a beaucoup, beaucoup travaillé pour cette maison ici. Donc, il y en a des vers de terre. Ils sortent. Attends, laisse que je vais aller. J'ai beaucoup donné pour la maison pour qu'on soit heureux. Puis pour que mes enfants, quand ils viennent ici, ils se sentent aussi chez eux. Parce que même s'ils ne sont pas élevés ici, c'est leur maison. Ils ont deux chez eux. Ils ont chez maman et chez papa. Ok, vous n'avez qu'à enquiller dès que je vais arriver. Ok, la pute. Ok, ok. Ça va? Ça va, ça va. Ok, ben, il n'y a pas de problème, hein, les amitiés retournées, et bonjour de tout le monde, et puis soyez prudents, et la route, elle était toute bonne. Je fais les routes et je fais les frontières. Je sens, j'écoute et j'apprends, je vois. Le temps s'égoutte au long des fuseaux horaires. Je prends, je donne avec. J'ai eu un mauvais départ au début. J'avais pas tous les atouts pour réussir. Je me les suis créés moi-même. Je voulais me prouver que j'étais capable de faire quelque chose de ma vie. Et j'y suis arrivée. Là, on va aller se parquer sur un parking gardé. Et demain matin, on va chez le client pour le déchargement. Et ensuite, je signale à mon patron que je suis vide. Et lui me dira si je retourne sur la Pologne, si je retourne sur l'Allemagne. Si tout va bien, d'ici une bonne semaine, retour à la maison.
prochain défi, après celui de la route, ce sera de fonder une famille sans que la route la détruise. Ça, c'est très dur. Quand j'étais gosse, je voulais partir. Pour moi, déjà, la France, c'était immense. Les pays limitrophes, déjà, ça me faisait rêver. Mais j'aurais jamais pensé à atterrir sur le Moyen-Orient ou faire le Maroc comme j'ai fait. Jamais. Mon rêve a été largement amplifié. J'ai passé une vie magnifique. Dure, très dure en labeur, mais magnifique. Moi, les enfants, ma famille. Personne n'a le droit de juger ma vie. Mais moi, je ne suis qu'un être humain. J'ai fait des bêtises, j'ai fait des choses bien, mais c'est d'après mes bêtises que j'ai appris à faire les choses bien. Ces femmes qui ont choisi d'être des routières au long cours se sont lancées à elles-mêmes de sacrés défis qui ont chamboulé leur vie personnelle. Et puis, pour être reconnues et respectées dans ce métier jusqu'alors réservé aux hommes, elles doivent à chaque fois se surpasser, faire la démonstration que si elles ont moins de muscles, leur énergie n'en laisse rien paraître. Ce courage méritait d'être signalé. À très bientôt. Bonsoir. Thank you.